Je suis arrivé avec zéro a priori. Moi, pour moi, le Val-Saint-Lambert, c'était kitsch, démodé, cher, fragile, lourd, chaud, ok, mais rien de plus. Mon bureau étant au-dessus de l'atelier de démonstration à l'époque, je voyais les groupes qui se suivaient et qui prenaient place dans l'atelier de démonstration, qui regardaient le verrier faire sa démonstration. Et moi, j'étais en haut sur ma mezzanine et j'assistais à ce petit spectacle et j'entendais les jeunes qui applaudissaient. Revenant de saison comme animateur dans le sud de la France et dans d'autres camps de vacances, j'avais un petit peu cette sensation de spectacle, de se reproduire devant des gens et d'avoir un échange. Et au départ, c'est ça qui m'a bien plu. Plutôt que la matière en elle-même, mais dès que j'ai touché la matière pour la première fois, ça a été une addiction complète. Quand je me suis assis sur mon banc de verrier pour la première fois, c'était ici, dans le château. Là, la sensation de responsabilité quelque part et d'humilité a été un chemin et un moment imposé dans le sens où j'avais vraiment la conscience de m'asseoir là où certainement des centaines d'autres postérieurs s'étaient assis pour travailler du verre, des pièces presque toutes plus prestigieuses les unes que les autres. Et moi, avec mes petits savoirs et ma jeunesse et ma fougue et mes envies de création et de délire verrier, je pense que j'ai dû au moins passer quelques minutes à respirer et à me dire ok, on y est, on va faire du mieux qu'on peut, et puis plus c'est pas possible. Chaque période, chaque pays, chaque culture a ses traditions et on est tous bien placés pour s'en rendre compte à travers les médias ou les témoignages ou les partages d'histoires simplement de personnes qui nous entourent. Certaines choses peuvent être choquantes pour nous. En entendant des verriers raconter leur parcours, mais des verriers qui ont maintenant 80, 90 ans ou même qui sont décédés mais qui m'ont partagé des moments intimes, d'apprentissage quand ils avaient 13-14 ans et qui débarquaient encore dans une période où il n'y avait pas d'âge minimum requis pour travailler, où les conditions de travail et d'exploitation de ces personnes appelées enfants étaient juste déplorables, où les maîtres verriers à 80 ans expliquaient qu'à 12-14 ans, ils se retrouvaient dans des fosses à ouvrir et fermer les moules au rythme des gens qui venaient avec leurs cannes pour souffler les paraisons de verre, et que quand ils ne faisaient pas bien ce qui se passait, ils prenaient des mégots de cigarettes incandescents sur la tête, ils se faisaient cracher dessus. Il se faisait frapper avec des coups de sabot, ça terminait souvent en bagarre dans les temps de midi, etc. C'est un lourd passé, quelque part, un lourd témoignage. Ça a donné naissance, oui, à toute une série de très belles pièces et d'un certain niveau d'excellence par rapport à la réalisation des choses. Mais pas à n'importe quel prix. Aujourd'hui, c'est plus possible.
y a une prise de conscience, il y a une envie, il y a une motivation, il y a un feu qui est vraiment présent à l'intérieur de moi et qui me dit que cette voie du soufflage et ce chemin est vraiment très important, parfois trop, parce que ça empiète sur la famille, mais tous ceux qui sont proches de moi, qui me connaissent même, savent à quel point c'est important pour moi. Et tant que je suis là-dedans, le feu brûle. Et si j'y suis plus, quelque part, le feu, ça me nuise et finit par mourir, j'ai l'impression. Donc, il y a un rapport avec cette discipline, ce métier, cet artisanat, cet art, qui est très, très prenant. Créer, c'est magique en fait. Quand on sent vivre, quand on crée quelque chose. Quand on voit le résultat et qu'on le prend le lendemain en main, puisqu'on doit chaque fois attendre 24 heures avant de sortir la pièce du four, il y a aussi un travail sur la patience et donc l'excitation qui va avec le soir. Et le matin, quand on se lève, on se dit, parfois je me réjouis vraiment d'ouvrir le four pour voir les pièces. Je définirais ma passion pour mon métier comme étant un moyen d'aller à la rencontre de l'autre. C'est-à-dire que la matière ici est prétexte à pouvoir engager une prise de contact avec toute une série d'individus et de partager des expériences sur base de cette matière qui est quand même hautement symbolique pour moi et qui, oui, symbolise une espèce de privilège de pouvoir travailler cette matière. Non, c'est pas raté, c'est une expérience. Qu'est-ce qu'il y a d'extérieur raté ? C'est le point de départ d'un échange, d'une rencontre, de discussion. C'est mon moyen aussi, le meilleur, pour m'exprimer. Ce partage et ces créations. Ayant deux enfants, donc une fille de 10 ans et un petit garçon de 6 ans, ce que j'ai simplement envie de leur apprendre, c'est ce rapport au mot travail, qui est un mot qu'on entend tous dès notre plus jeune âge. Il faut que papa et maman travaillent pour gagner de l'argent, pour pouvoir subvenir à nos besoins. Et un sympathique bonhomme qu'on a appelé Confucius a dit un jour, « Choisis un métier que tu aimes et tu ne devras pas travailler un seul jour de ta vie. » Et si je pouvais simplement leur dire ça, que ce soit vendre des frites, souffler du verre ou être ingénieur, pour moi, si tu te lèves avec la banane et la patate, d'aller passer, vivre ta journée, c'est gagné.